un aspirateur connecté, qui est d'ailleurs juste ici, mais qui a une petite particularité, ça se situe juste derrière, puisqu'en fait on va retrouver deux serpillères rotatives. C'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur comme ça connecté. Eh bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Coucou tout le monde, c'est Christo, et aujourd'hui je vais donc te présenter un aspirateur connecté de la marque Yidi, qui est doté donc aussi d'une station d'auto-nettoyage. Cette entreprise a été créée en 2019, plutôt récente, et qui devient de plus en plus connue. C'est pour cela aussi que j'étais très intéressé de te présenter aujourd'hui le Yidi Mop Station, qui est doté, c'est la première fois que je vois ça sur un aspirateur robot, de serpillères, vraiment de vraies serpillères qui sont dessus pour un meilleur lavage. Parce que si tu veux, la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui avec tous les aspirateurs robots que je t'ai présentés, c'est souvent pas le mode aspirateur qui marche plutôt bien, mais c'est souvent le mode serpillière où c'est plutôt moyen. Et ici ils ont vraiment voulu faire quelque chose. Alors d'ailleurs on sent quelque chose tout de suite, c'est son poids. Il est beaucoup plus lourd tout simplement qu'un aspirateur robot traditionnel, et que c'est très bien, ça va exercer une certaine pression au sol, si je dis une pas de bêtises. Normalement c'est 10 newtons, ce qui est vraiment intéressant. Je vais t'afficher ça sur l'écran, mais en fait le Yidi Mop Station, il est doté d'une station qui est équipée de deux réservoirs. En fait il y en a un dans lequel bien entendu tu vas verser de l'eau propre, et l'autre en fait où ça sera tout simplement le réservoir d'eau sale. Parce que ce qui est très intéressant ici, c'est la première fois aussi que je vois ça. Alors faut pas confondre avec que en fait tout simplement la station va recharger en eau l'appareil. Ce n'est pas le cas, on le verra durant la phase test. Mais ici en fait, à chaque fin de nettoyage, eh bien si tu veux, cette station, elle va nettoyer les serpillères avec le réservoir d'eau, bien entendu. C'est très important parce qu'en fait, tu vas quasiment plus nettoyer tes serpillères. C'est vrai que c'était relativement pénible parce qu'à chaque fin de nettoyage, il fallait aussi nettoyer les serpillères et tout. Et ici, ce n'est pas vraiment le cas parce que la station va nettoyer. Par contre, la station ne va pas recharger en eau l'aspirateur. L'aspirateur en lui-même est équipé d'un bac à eau, tout simplement, qu'il faudra toi-même mettre de l'eau dans l'aspirateur et pourquoi pas mettre un petit peu de produit histoire qu'il y ait une petite odeur et que ça nettoie aussi un petit peu mieux. Le produit vient de sortir, d'ailleurs il est déjà en rupture de stock, ça allait tellement vite puisque c'est vrai que je le trouve vraiment différent des autres, et à mon avis ils ont touché quelque chose d'assez intéressant, et je pense vraiment que le marché va aller dans cette direction là avec en tout cas les futurs aspirateurs robots haut de gamme auront ce genre de station de recharge, d'auto-nettoyage et tout. C'est vrai que là on est vraiment sur quelque chose de très intéressant. On a bien entendu aussi l'application mobile qui se nomme Yidi et qui est gratuite et qui est disponible sous iOS et sous Android. Très très intéressante parce que je trouve que vraiment ils ont bien travaillé l'app. C'est souvent pas le cas avec toutes les applications de robots aspirateurs, et ici bravo. Bon allez, bref, j'arrête de blablater, c'est parti pour les caractéristiques. Alors donc une station de lavage, comme je te l'ai dit, donc un bac à eau où il faudra mettre de l'eau propre, et l'autre bac bien entendu ça sera l'eau sale puisqu'il va nettoyer en fait tes brosses serpillières. Donc ça c'est vrai que c'est assez kiffant. Alors on va retrouver trois boutons au-dessus de la station de recharge. Donc il y aura un bouton qui va te permettre de sortir un peu l'appareil pour que tu puisses nettoyer l'intérieur. Et l'autre bouton qui pourra manuellement, depuis la station de recharge, tu pourras lancer une séance de nettoyage sans avoir à passer depuis l'application et tout. Et l'autre chose aussi, c'est de faire revenir, si jamais, je ne sais pour quelle raison, revenir ton aspirateur qui est en cours de séance de nettoyage ou autre à sa station de recharge. Donc tu as trois boutons sur la station de recharge, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qu'on ne retrouve pas forcément aussi partout, et je trouve qu'ils ont bien travaillé là-dessus. Donc vraiment c'est vrai que par contre la station de lavage est très grosse et compacte et prend un petit peu de place, mais en soi moi je ne trouve ça pas forcément dérangeant. Alors comme je te l'ai dit, l'eau va donc nettoyer les brosses rotatives. Concernant le robot, on va retrouver bien entendu un petit pare-choc à l'avant. J'espère qu'ils feront des mises à jour parce que des fois le robot peut taper un petit peu fort. Alors vu qu'il y a le pare-choc, ça ne va pas abîmer forcément les meubles et tout chez toi, ou bien l'aspirateur, mais souvent faut qu'il mette un peu plus sensible, comme ça il aura moins besoin de taper et d'utiliser son pare-choc avant.
Alors on aura un bouton pour allumer, il y a un bouton pour la recherche Wi-Fi, enfin en tout cas pour apparaître le produit. C'est vraiment très simple et très rapide depuis l'application. Si tu veux, au-dessus de l'appareil, tu retrouves un petit QR code, tu scannes, tu télécharges l'application, tu crées ton compte rapidement Yeezy et puis basta. Voilà, en fait tu vas tout simplement l'appareiller au réseau Wi-Fi et après tu feras éventuellement des mises à jour sur le robot aspirateur et après tu peux lancer sa session de nettoyage. Donc ça c'est une belle chose. Au niveau de la matière engagée concernant le produit, bah franchement je trouve que la matière est très très bonne. D'ailleurs le dessus sur le robot aspirateur, je trouve que la matière engagée, on a une sorte de petite vitre et c'est un petit peu brillant, pétillant. Vraiment j'aime beaucoup cette couleur là et je trouve en tout cas que la matière, bah, c'est très intéressant. Il a un bon petit poids comme je te l'ai dit. Par contre on a 4 capteurs qui sont situés vraiment au milieu et à l'avant de l'appareil. J'aurais aimé avoir 6 capteurs et d'en avoir 2 à l'arrière. En tout cas ici ce n'est pas le cas. Voilà, voir s'il y aura des changements sur des futures générations d'aspirateurs. Alors au niveau de la batterie, au niveau de son autonomie, c'est-à-dire qu'on est ici à 5200 mAh. On a une grosse batterie mais forcément vu qu'il y a aussi ces serpillères, ça risque de consommer un petit peu plus. En tout cas, tu es vraiment tranquille pour faire au moins une centaine de mètres carrés. Enfin voilà, là il n'y a aucun souci avec ça. Une puissance d'aspiration de 2500 pascal, ce qui est plutôt raisonnable. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a pas mal de petits détecteurs sur ce robot et que lorsqu'il va taper passer sur un tapis, il va détecter la présence et bien de ce tapis là et il va donc augmenter sa puissance d'aspiration. C'est pareil par exemple pour le mode serpillère. Si jamais il y a le mode serpillère qui est enclenché, ce qui est quasiment tout le temps, bah, vu qu'elle a ses brosses et bien de serpillère, et bien il ne va pas passer sur un tapis, il va pas passer la serpillère sur un tapis. Donc ça ce sont des choses qui sont vraiment bien et qui vont te permettre déjà de gagner du temps et d'éviter d'avoir de grosses surprises quand tu vas rentrer chez toi. On va bien entendu retrouver un bac à poussière qui seront au même endroit au niveau de l'appareil qu'avec le réservoir d'eau. Donc ça après ça peut être plus ou moins dérangeant pour certaines personnes. Alors on me pose souvent cette question aussi, c'est est-ce que c'est compatible avec, imaginons, Alexa, ça peut être aussi d'Amazon ou alors Google Home ou bien Yandex, Alice de Yandex. Eh bien c'est le cas, donc ici c'est à dire que tu peux contrôler si tu veux ton appareil avec une commande vocale. Retourne donc automatiquement à sa station de recharge à la fin de chaque nettoyage et va se recharger bien entendu, il n'y a aucun souci là-dessus. Dans la boîte on va donc retrouver un robot aspirateur, on va retrouver la brosse centrale qui m'a l'air vraiment de bonne qualité, une brosse latérale, j'aurais voulu par contre deux brosses latérales, c'est vrai que je préfère ça. On va donc retrouver si tu veux le petit bac pour le mode serpillière. On va retrouver donc deux gros réservoirs pour la station de lavage, le réservoir comme je t'ai dit d'eau propre et le réservoir d'eau sale. Et puis on va retrouver plusieurs embouts, on va en avoir quatre au total, serpillière. Donc ça c'est super bien parce que ça se scratch et se déscratch et tu peux aussi les laver à la main par la suite ou les laver, les mettre à la machine dans le cas où bien entendu c'est très très sale parce que la logique fait qu'aujourd'hui avec cette station de lavage, eh bien l'objectif c'est de ne plus laver tout simplement eh bien tes petites serpillères. Mais il faudra le faire quand même rarement mais de temps en temps. Tu vas retrouver aussi un petit équipement de nettoyage, que ce soit pour nettoyer ton filtre. C'est très important mais ça nécessite quand même un petit entretien. Moi je dis c'est bien de nettoyer un petit peu ton robot aspirateur une fois toutes les 3 semaines. Voilà, de regarder un petit coup et puis tu nettoies un petit peu le filtre, tu enlèves un petit peu les saletés qui peuvent se coller et se déposer tout simplement sur les détecteurs et après ça peut réduire un petit peu l'efficacité de ton robot aspirateur. On se retrouve donc pour cette fameuse phase test en live avec eh bien le Yeezy Mop Station. Et donc première chose c'est je te conseille par exemple de laisser un petit peu de place à droite et à gauche de l'appareil, en tout cas de la station ici de recharge, et tout simplement aussi devant pour qu'il puisse bien commencer sa session. D'ailleurs comme on peut le voir à gauche, on va être déjà dans les premières difficultés eh bien de ce produit là puisqu'il n'est pas doté d'une caméra à l'avant mais au-dessus qui lui permet eh bien de cartographier au mieux la pièce. Mais vu qu'il n'a pas, si tu veux, de petite caméra à l'avant, il ne pourra pas vraiment avec de l'intelligence artificielle comprendre. Par exemple ici ce sont des câbles donc je vais éviter d'y aller. Et donc c'est là où depuis l'application il faudra mettre des zones interdites, ce qui est tout à fait possible. Et c'est pour ça que lors de la première tout simplement utilisation de ton robot aspirateur, comme je te le dis à chaque fois, eh bien regarde bien là où il aura un peu de mal. Moi j'ai vu il avait un petit peu de mal ici, que potentiellement aussi il pouvait avoir un petit peu de mal. Et c'est pour ça que j'ai créé une zone interdite juste en dessous, parce que là-bas au fond, comme tu peux le voir, il y a des câbles. Donc
c'est pas grave, il faudra juste s'adapter et il aura besoin, voilà, de mieux comprendre son environnement et donc par la suite, depuis l'application, tu personnalises tout ça. Alors, très intéressant parce qu'on a quand même une très grosse station de recharge et une station un petit peu, je pourrais te dire, de vidage eh bien, de ces serpillères. C'est important, mais comme on peut le voir au-dessus, on va voir donc ces deux bacs. Le bac à gauche, donc ça sera la saleté. Le bac à droite, eh bien, ça sera l'eau qu'il faudra mettre, l'eau propre, bien entendu. Il ne faudra pas forcément mettre de produit dans ce bac-là. Moi, je te le conseille de le mettre dans l'aspirateur. Parce que ce que je vais faire, c'est je vais prendre l'aspirateur. Et je vais tout simplement le retourner doucement pour que tu puisses mieux comprendre. On a donc ici les deux serpillères. Donc ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, le poids de l'aspirateur connecté, il est vraiment très lourd. C'est très très bon signe parce que ça veut dire que quand il va commencer à essayer de frotter le sol, surtout avec ses serpillères, c'est la première fois que je vois ça, eh bien, on verra que ça sera plutôt efficace. Lors de la première session de nettoyage, pourquoi pas, si tu le souhaites, humidifier eh bien, tout simplement ces brosses de serpillères. Mais en soi, tu n'auras pas trop besoin parce que ça va vite s'imbiber d'eau. Donc, quand on regarde donc dessous, on va avoir donc par contre une seule brosse latérale. J'aurais préféré d'en avoir deux. Je préfère qu'il y en ait deux. Brosse centrale, vraiment bien parce que à mon avis, elle va pas trop accrocher les cheveux et tout, ce qui est souvent le cas avec les brosses centrales. Et donc ici, très intéressant puisque je trouve qu'on est vraiment sur une matière, bon, c'est du plastoc, mais plutôt solide à mon avis, résistant aussi sur le long terme. Voilà. Alors au niveau des capteurs, je crois qu'on en a 4 ou 6. On en a 4. J'aurais aimé aussi d'en avoir à l'arrière. Puisqu'on peut le retrouver aussi sur certaines marques des capteurs à l'arrière. Alors, pour te montrer en fait et pour t'expliquer ça au mieux, comme je te l'ai dit, en fait, ici, on va donc avoir le réservoir de poussière et aussi le réservoir d'eau. C'est-à-dire que manuellement, il faudra remplir ici d'eau. Et je peux te conseiller aussi, pourquoi pas, de mettre un petit peu de produit. Comme on peut voir, une petite bête ici. Je vais t'enlever avant que tu te fasses aspirer, ma pauvre. Et donc, ici, tu pourras aussi mettre de l'eau. Voilà. Et c'est là où je te conseille. Donc, en fait, parce que la machine, si tu veux, ici, la station de recharge et qui est alimentée en eau, ne va pas alimenter le réservoir de ton aspirateur. Ça sera à toi de le faire manuellement. Peut-être qu'un jour ça se fera. Peut-être qu'aujourd'hui c'est un peu trop complexe. Mais à quoi sert l'eau au final de tout ça, de ta station de recharge? Eh bien, en fait, c'est pour nettoyer les brosses. Voilà. Parce que les brosses, forcément, quand tu vas faire ta séance, elles vont vite se salir. C'est vrai que c'est très pénible auparavant de nettoyer à chaque fois, à chaque fin de nettoyage, tes brosses ici. Donc en fait là, ça va tout simplement avec ce petit système, comme on peut le voir, un petit peu de rail et tout, où ça va vraiment envoyer pas mal d'eau, il y aura pas mal de petites sessions, ça se fera automatiquement après chaque séance de nettoyage. Et bien en fait, il va nettoyer bien entendu tes deux serpillères, et ça, c'est un très bon point. Et forcément, ça va demander une petite quantité d'eau, et que forcément, vu que ça va nettoyer tes serpillères, bah en fait, tu vas retrouver la saleté qui se situe eh bien dans le bac à gauche, qu'il faudra vider de temps en temps. Mais c'est pas encore, on va dire, 100% autonome, parce que il faudra le faire manuellement ici. Et ici, c'est là où je voulais en venir, c'est que tu pourras mettre un petit peu de produit, voilà, mais très léger, comme ça au moins il y aura une bonne petite odeur, et puis ça nettoiera certainement mieux le sol. Donc on va faire un petit test ici, séance de nettoyage, et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se taper tout simplement avec une fast test, et on va mettre par terre un petit peu de café, un petit peu de choses, comme ça on va voir comment il fonctionne, comment il réagit face à tout ça. Et on va aussi remplir, je vais faire ça tout de suite, le réservoir d'eau. Très très facile, hein, regarde-moi ça, franchement très pratique, j'aime beaucoup, très grosse quantité en plus. Hop, on enlève le petit capuchon en silicone et hop, voilà, on va remplir ça et puis on se retrouve tout de suite. Comme tu peux le voir, nous avons un niveau max, donc tout simplement on le met et on remplit bien. Soit tu enlèves le capuchon et tu remplis par là, soit sinon tu peux ouvrir directement et remplir par là. Voilà, tu choisis. Franchement, la petite boîte comme ça, elle a l'air vraiment solide, elle est simple et on peut vraiment mettre une grande quantité d'eau. Alors on n'oublie pas de mettre tout simplement de l'eau là-dedans. J'ai mis un petit peu de produit, donc c'est léger mais ça va être super bien. Alors ce que je vais faire donc ici, en fait, soit depuis l'application, soit sinon, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ici je trouve que c'est hyper simple. Trois boutons, vraiment j'aime beaucoup cette station, même si elle prend beaucoup de place. J'aime bien le concept parce que c'est vraiment, c'est compact, ça a l'air solide. Et là, ça c'est super agréable. Donc là, je vais lui demander normalement de retourner à la station de recharge. J'appuie dessus. Retour à la station de recharge.
Voilà. Il retourne. Alors, il y a une phase un petit peu de recalibrage et tout. Comme on peut voir aussi l'eau derrière là. Tu vois. Alors c'est bien parce que mon produit va se mélanger un petit peu. Donc là il fait un petit 3-6 parce qu'en fait il rentre en marche arrière. Parce qu'il est dans le turfu. Forcément la séance de nettoyage, de toute façon j'ai superposé ça. Hop. Et comme on peut voir, on entend un petit bruit un peu chelou. Christo, qu'est-ce qui se passe? Bah en fait il est en train tout simplement d'humidifier les deux serpillères. Parce que bah c'est mieux pour le nettoyage. Alors éventuellement peut-être que là il est aussi en train de nettoyer. Donc ça fait un petit bruit bizarre hein. Et puis après il va commencer sa séance de nettoyage. Alors, un point très important, c'est que comme je te l'ai dit, il va reconnaître les tapis. C'est-à-dire qu'ici on va avoir un petit tapis et donc il va pas passer dessus, ou alors il va juste passer l'aspirateur et non la serpillière. Il y a quand même une intelligence avec le produit qui fait que il cartographie la pièce, mais qu'en même temps il va s'adapter, et quand il est sur un tapis aussi, il va augmenter sa puissance d'aspiration. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui avec beaucoup d'aspirateurs connectés, surtout dans les hauts de gamme. Il est sorti. Attention. Il est là. Il bouge pas. Et il attaque. Alors il y a le système aussi de vibration. Là je le vois tout de suite que c'est mouillé. C'est très bien. Donc ça c'est top. Parce que souvent le problème avec les aspirateurs connectés, c'est que c'est pas mouillé tout de suite. Et là c'est mouillé. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Comme tu peux le voir, il commence à nettoyer. Le comportement en fait, il est parti puisque je lui ai demandé depuis l'application de commencer tout de suite par la salle de bain. Oui, tu peux le faire. Tu peux lui dire, bah voilà, je préfère que tu commences ta séance de nettoyage par exemple dans cette pièce là. Et là comme on peut le voir, vraiment c'est impressionnant. Je le vois la différence tout de suite. En fait c'est que vraiment en termes de quantité d'eau et de lavage, eh bien ça a l'air vraiment de meilleure qualité. Vraiment ça se voit tout de suite que c'est différent. T'as vraiment l'impression que quelqu'un a passé la serpillière. Donc ça c'est un très très bon point là qu'on voit vraiment de manière immédiate. C'est cette serpillière, c'est première fois que je vois ça, c'est pas mal du tout, hein. Pas mal du tout. Il prend aussi son temps dans les angles, donc ça c'est vraiment bien. Tous les aspirateurs ne font pas ça. J'aurais mis une deuxième brosse latérale par contre. Et là comme tu peux le voir, la pièce elle est bien humide. Ça sent bon en plus, c'est vraiment agréable parce que j'ai mis un peu de produit. Et je suis très très surpris. Une fois qu'il finit cette pièce là, on va regarder un petit peu ses déplacements. Puis après on ira le mettre un petit peu plus en difficulté. Voilà, on démarre. Allez Coco. Donc le café, alors c'est sûr que la brosse latérale va en mettre un peu partout, mais à force de faire des allers-retours en fait il va tout aspirer. Ok. Donc on regarde ça. Et c'est parti, donc il va faire le périmètre de la zone de nettoyage que je lui ai demandé. Et donc ici, on est donc sur la phase test, un petit peu plus dur, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Alors le riz, globalement, il a quasiment tout pris. Le café, il a quasiment tout pris aussi, donc ça c'est déjà bien. Je vais remplir le bac à poussière, je te le dis. On peut voir que la serpillière, elle a l'air de bien marcher aussi derrière. Elle est un petit peu sale déjà. Parce qu'il a attaqué le ketchup aussi tout à l'heure. À mon avis, ça va être très intéressant, mais on ira voir le réservoir d'eau sale. Et donc là, fait le périmètre. On va laisser. Et on va voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup comment il nettoie le sol. C'est quelque chose. Hein. Comment il nettoie le sol. Là, il y a encore du riz. Alors, il en reste encore. Là, il y a le ketchup. Le café. Tu vois, c'est propre. Hein. Résultat, il est vraiment bien. On peut voir, et c'est pour ça que je te conseille, si jamais tu mets l'aspirateur quand tu n'es pas à la maison, bah de programmer en mode double. C'est-à-dire qu'il va te faire deux fois la même zone. C'est quelque chose que je recommande vivement avec ce genre de produit parce que bah, quand il le fait deux fois, tu vois, il va éliminer un petit peu, si tu veux, les petites imperfections. Mais là, vraiment, c'est très très bien parce que j'ai mis beaucoup. Donc, on le met vraiment dans un état de stress et c'est un petit peu, j'en mets souvent même un peu trop, on me le dit. Mais bon, allez,
on sait jamais, hein, ça, jamais ça arrive un jour. On a quand même quelques graines de café, ok, par contre, à noter. Avec le mode double, ça serait parti. On a quelques petits cafés qui sont, enfin, café, je veux dire, du riz, du couscous, qui sont légèrement restés dessus, mais pas beaucoup, hein. Je pense que tu vois la différence. Humidifie très bien, franchement, le nettoyage top. Donc, c'est vraiment intéressant. On a un petit peu de saleté, par contre, comme on peut voir là dans l'angle. Voilà, donc ça, faut faire gaffe. Après, là, c'est normal parce que j'ai demandé de ne pas nettoyer cette zone-là. Mais c'est sur le plastique, voilà, qu'il faut noter. Donc, ça, c'est un point qu'il faut prendre en compte. J'ouvre ici. Alors, comment ça marche? Est-ce que là, hop, je prends et on va voir, en effet, la saleté. Oh, c'est dingue, c'est dingue. C'est dingue. Et l'eau, ça a consommé un petit peu. Un petit peu, ouais. C'est un petit peu descendu. À mon avis, c'est peut-être quelque chose en fonction du nettoyage et tout que tu vas peut-être devoir alimenter peut-être une fois par semaine. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura fait plaisir. Alors, concernant mon avis, bah franchement, il y a quand même quelques petits points qui me vont pas, si tu veux, en point négatif. On va commencer tout de suite par ça. Avec, moi, j'aurais préféré deux brosses latérales qu'une seule. J'aurais aimé deux détecteurs à l'arrière. Dans l'idéal, mais alors là, ça va augmenter le coût forcément du produit, c'est une caméra à l'avant avec une intelligence artificielle qui lui permettrait un peu mieux de reconnaître tout ça. Mais globalement, là, j'ai un peu donner les petits points négatifs, bah globalement c'est très positif parce que premièrement il arrive à bien se localiser, il arrive à bien cartographier bien entendu ta pièce. Tu vas pouvoir aussi, comme je te l'ai dit, programmer des séances de nettoyage. Voilà, tu peux le dire à tous les jours ou juste le samedi, juste le dimanche à 10h du matin, hop, t'attaques ta séance de nettoyage. Donc vraiment l'application software super bien. Bravo franchement pour une entreprise on va dire assez récente sur ce marché là. Là, je me dis, ok, dans 5 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire, en tout cas, en termes d'application, parce que très intuitive, elle est vraiment bien faite, aucun problème dessus, donc ça, j'étais très surpris. Au niveau du hardware, bah franchement, ça a l'air d'être très propre. La matière engagée et tout, le poids, le mode serpillère qui marche très bien, et je pense que c'est le meilleur sur le marché en mode serpillère, ça, c'est sûr et certain. Puissance d'aspiration, c'est pas le meilleur sur le marché, on a 2500 pascal, aujourd'hui on peut dépasser un peu les 3000 pascal, mais voilà, 2500 pascal, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui un peu sur les aspirateurs haut de gamme. Donc quoi qu'il en soit, ça reste très très correct. Par contre, un petit réservoir de bac à poussière, mais sinon le reste, bah, ça a l'air très costaud. Brosse centrale, très bon point ici, je trouve que ça a l'air très résistant, très costaud. Donc non, en soi forcément, moi, enfin c'est un produit dans le cas où tu aimerais vraiment qu'il t'aide dans le passage de serpillière, bah là ouais, faut foncer. Alors malheureusement il est en rupture de stock, donc peut-être qu'il sera réalimenté entre temps. À combien est vendu ce robot aspirateur avec sa station aussi de lavage, tous les accessoires et tout, tout ce que je te présente aujourd'hui, c'est 649 €. Possibilité, peut-être que j'aurai des discounts, des codes promo que je te mettrai bien entendu dans la description de cette vidéo, n'hésite vraiment pas à checker. À ce prix là c'est intéressant parce que on retrouve d'autres aspirateurs un peu du même style haut de gamme, plus dans les 800-900 €, voire 700 €, donc il se positionne en dessous et je trouve vraiment que la matière qui est engagée comme ça et après pas mal de petits tests, eh bien c'est vraiment intéressant et je trouve qu'il tape très très fort. Peut-être qu'ils feront une version un peu au-dessus, dans l'idéal, voilà, ça serait tout ce que je t'ai cité avec une station d'auto-nettoyage et tout, mais je pense que ça coûterait une fortune d'avoir tout ça assemblé dans un produit comme ça, donc je pense qu'il faut faire des sacrifices surtout pour ce prix-là, ce qui reste bien entendu un investissement, hein, un produit haut de gamme, mais c'est vrai que j'essaye d'être le plus neutre, enfin vraiment de donner vraiment mon avis sur ça. Parce que bah, je commence à avoir une bonne petite expérience puisque je présente énormément d'aspirateurs robots de différentes marques, que ce soit entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, et j'essaie vraiment de décortiquer ça, mais vraiment là comme ça, oui en effet, c'est vraiment, en tout cas ça a l'air d'être un super produit. N'hésite vraiment pas aussi à me dire ce que tu en penses dans la barre des commentaires. Le lien du produit est dans la description de cette vidéo, même leur site internet est vraiment bien foutu, faut le dire hein, quand c'est le cas. Au niveau du packaging, il est très très bien protégé, donc ça aussi c'est quelque chose, une information que je voulais te dire, parce que bah un produit bien protégé, déjà quand tu vois il y a un bon petit packaging et tout, bah ça fait plaisir et tu sens tout de suite qu'ils sont soigneux et qu'ils sont pas là pour rigoler. D'ailleurs tu vois leur site, leur application, franchement très très surpris par ça, et au niveau du hardware franchement pas mal à voir. J'espère qu'ils vont mettre quelques petites mises à jour sur un petit peu plus la précision au niveau du pare-choc avant qui tape un tout petit peu moins fort, et là c'est
très très bien. Bon, merci tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça me fait super plaisir de me suivre sur les réseaux sociaux, c'est dans la description de cette vidéo. Et puis tu sais quoi, continue à aimer mes vidéos parce que tu vas kiffer.